C'est vrai que j'avais allumé Nightbot ce coup-ci. Ah, bah ça a quand même enlevé les links. Donc bon. À moins qu'en cliquant dessus, ça soit, ça devienne visible, je sais pas. Après oui, par rapport à Speed Demos Archive, oui c'est vrai qu'il y a... Enfin tout doit être fait en version sur la copie originale avec aucun montage, uniquement y avoir le flux vidéo et audio de base. Donc, ah, ça a été accepté quand même? D'accord. Ouais, je me suis raté. Ok, 1 seconde 6. Ah, c'était accepté puis annulé. Ça sent un petit peu le drama B. Mitchell, Steve Weeby, tout ça. Hein. Heureusement qu'il n'y a pas un télo sur le chat parce que sinon, ça serait la foire à l'empoigne. Ok, bon, pour l'instant ça se passe bien.
Ouh, petit record du tour sympa. Bah après ça vient de quoi le problème, parce que tu rentres sur émulateur toi aussi par rapport à un dresseur, donc bon après c'est un émulateur de TAS mais ok, bon une seconde 7. Ah d'accord, donc apparemment c'est un drama sur... c'est un drama sur la speed des Mozarkais dans son ensemble. Ok. Ah d'accord. Bah après ça a peut-être été un... C'était peut-être un cas sans précédent, enfin je sais pas... Après bon, que la SDA ait des règles d'acceptation assez, assez strictes, bon ça c'est normal, enfin c'est connu et c'est normal en même temps, donc Après Arcade, je dirais pas autant, mais après voilà, le fait que ça soit quand même, c'est quand même l'autorité, on va dire l'autorité de référence niveau speedrun, donc bon, que ça soit qu'ils aient des règles plus strictes que les autres, bon c'est, enfin moi perso ça me choque pas quoi, c'est. Après moi perso il y a des choses que je trouve déjà un peu plus choquantes par rapport à la pratique et, bah, certaines règles du speedrun entre guillemets notamment le fait de dire que runner sur émulateur c'est considéré comme de la triche alors que les mecs maintenant font tout pour font tout pour trouver des astuces avec le matériel de base, donc seul truc que moi personnellement je reprocherais vraiment à la SDA, c'est le fait qu'il y ait énorme, enfin une bonne partie des jeux qui sont référencés, qui sont vraiment pas à jour niveau run quoi, c'est
Well, that we're not. I don't think we're forced to rely only on Speed of the Kive, but. Bien passé. Ça aussi d'ailleurs. Now there's a lot of new, of more recent websites to keep records from speedruns, so. I don't think there's much more thing to worry about that, but. I'm just a rookie speedrunner after all, so. Ah la vache, non! Du coup, je parle et je fais des gaffes. Yeah, speedrun.com is really good. It's a really good scoreboard, so. If you don't want to rely on SDA, so. Just go on speedrun.com. It's the most simple way, I think. Ah la vache, petite erreur à la fin. Oh, 3 secondes 6. Bon, moyen de gagner du temps. Yes, and that's 60 FPS now, as you say, so. Now we have plenty of ways to keep record of speedruns, so. Bon là faut se concentrer un petit peu.
Ah, je l'ai pris trop court. Dommage. Ok, bon, une seconde 5. Ah, par contre, désolé, mais là, j'ai pas du tout pris le temps de lire le chat. Malheureusement, je pensais que le drift allait passer sur le troisième tour, mais j'ai dû le faire juste un petit peu trop tôt. Ah bon, ça va, je suis toujours en avance. Une 0-2-1, et bah dis non. Dès le premier tour en plus. Voilà qui est encourageant pour la suite. Bon allez. Ah putain, il va m'emmerder. Ah, mais fous-moi la paix, mon dieu! Bon, là, le drift devrait être un petit peu plus facile, du coup. Putain, j'ai peur qu'il m'ait fait perdre beaucoup de temps, là. Non, 0-3-5 ça va. Ah la vache. Bon, ça c'est dommage. Il va falloir espérer que ça passe malgré tout. Ok, 2 secondes 4, c'est bien. Eh ben, il y a moyen de gagner du temps. Maintenant, il va falloir serrer les fesses un grand coup pour qu'Evan Hells ne soit pas trop l'enfer, justement, plus le paradis.
Ah, le con, je me plante avant, quoi. Ah, la vache. Oh la vache, bon c'est mort. À mon avis c'est mort. Oh putain, une 14. Oh je me replante derrière mais putain mais quel con. Ok, une seconde 5. Allez. J'aurais tellement pu sauvegarder du temps en faisant moins d'erreurs. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ouais, y a moyen de faire un petit pipi là. Je l'ai joué un petit peu safe. Mais c'était nécessaire. Ah
Ça, ça doit donner un petit record du tour, à mon avis. Voilà. Bon. Ok, Pibi. 28-50. C'est cool. Je le dis à chaque fois que je fais un Pibi, mais c'est cool. Je suis un petit peu déçu par rapport à Even and Hell parce que je perds 2 secondes 2. Alors que je pourrais facilement gagner du temps, mais... Ça va, c'est une bonne, bonne perf. Avec en plus le Sum of Best qui descend petit à petit. Donc voilà, 28-50. C'est quelque chose de très sympa.